Ça y est, vous êtes passé au travers. Chers finissants, chères finissantes, je vous adresse toutes mes félicitations. L'année que vous avez terminée n'a pas été de tout repos, mais vous avez été rien de moins qu'exceptionnelle. Je le dis bien franchement, si l'université a pu poursuivre son enseignement durant la pandémie, c'est aussi bien grâce au dévouement de vos professeurs que grâce à vous, à votre détermination, à votre ingéniosité, à votre grande patience aussi. Votre passage parmi nous me laisse un très fort sentiment de confiance en l'avenir. Vous êtes détenteurs et détentrices des idées qui changeront le monde, qui le rendra plus juste et plus durable. Et vous avez tout ce qu'il faut pour mettre ces idées en action et faire bouger notre société. Vous m'avez manqué, vous nous avez manqué, et j'ai très hâte de vous voir en personne pour vous remettre votre diplôme. Je vous donne donc rendez-vous à l'automne au Palais des Congrès et je vous promets une grande fête, un moment de retrouvailles et d'intenses émotions. D'ici là, je vous souhaite un magnifique été. Portez-vous bien. À la prochaine. Chers finissants et finissantes, j'ai toujours pensé que c'est dans l'adversité que l'on apprend à se connaître et à connaître les autres. Au cours des derniers mois, je vous ai vu franchir bien des obstacles et relever des défis qui ont été uniques aux promotions 2020 et 2021. J'ai découvert en vous d'extraordinaires qualités, la force de caractère, la résilience dans l'apprentissage et la volonté de réussir en toutes circonstances. Vous m'avez grandement impressionné. Comptez sur moi pour être l'un de vos plus fiers ambassadeurs. Un monde plein d'espoir vous attend. Je vous souhaite d'y trouver votre place et d'y réaliser vos plus grandes aspirations. Merci d'avoir partagé une partie de votre vie avec nous. Bravo et bonne chance pour la suite. Chères finissantes, chers finissants, vous avez travaillé fort pour ce diplôme que vous recevrez bientôt et je suis heureuse de pouvoir saluer vos efforts et le début d'un nouveau chapitre de votre vie. Moi aussi, j'ai fréquenté l'Université de Montréal il y a plus de 20 ans déjà, mais je me souviens encore du plaisir que j'ai eu à y étudier et du dynamisme de la vie de campus de cette prestigieuse institution. Je me souviens aussi du travail, du temps et des efforts qu'il a bien fallu déployer pour le décrocher, mon diplôme. Et pourtant, je réalise aujourd'hui à quel point la dernière année que vous avez vécue a dû être difficile. Vous avez dû composer avec de grands chamboulements en raison de la pandémie. Vous avez fait preuve d'une formidable capacité d'adaptation. Vous n'avez pas lâché, malgré les embûches, malgré le fait que vous avez été privé de plusieurs des habitudes habituelles de la vie étudiante. Aujourd'hui, avec ce diplôme universitaire en poche, vous rejoignez un marché du travail en pleine évolution. Votre bagage académique vous permettra de relever les défis et de profiter des nouvelles occasions qui s'offrent à vous. J'aime aussi croire que la résilience que vous avez démontrée pour triompher des obstacles au cours de la dernière année vous sera des plus utiles pour l'avenir. Alors, je vous dis bravo et je vous souhaite tout le succès du monde. Vous l'avez bien mérité. Bonjour tout le monde. Bravo à tous nos nouveaux diplômés de l'Université de Montréal. Bravo d'avoir persévéré malgré les difficultés de la pandémie. Je sais que l'enseignement à distance n'a pas toujours été facile et puis vous avez dû renoncer à une grande partie de la vie sur le campus. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier de tous vos efforts pour combattre le virus. À travers tout ça, vous avez fait preuve d'une résilience exceptionnelle pour réussir vos études. Vous avez de quoi être fier de vous autres. Maintenant, l'espoir est là avec la vaccination. Je vous invite d'ailleurs à aller vous faire vacciner. C'est le meilleur moyen pour retrouver notre liberté et c'est notre responsabilité aussi comme citoyens. Et puis, l'espoir est là pour l'après-pandémie. On a des grands défis devant nous, mais on a aussi des grandes occasions. On va avoir besoin de nos jeunes, on va avoir besoin de nos nouveaux diplômés pour bâtir votre Québec de demain. Donc, merci et bon été tout le monde. Bonjour à vous, finissantes et finissants de 2021. Bonne journée de remise des diplômes et félicitations, vous avez réussi.
Vous avez travaillé tellement fort pour vous rendre ici. J'espère que vous êtes fiers de ce que vous avez accompli, parce qu'il y a de quoi être fier. Pour bon nombre d'entre vous, cette dernière année a été extrêmement difficile. Et aujourd'hui, plus que jamais, vous devriez être entouré de vos amis, de votre famille, de vos collègues de classe. Mais nous voici encore en mode virtuel. Malgré tout, vous avez tous et toutes fait preuve d'une force et d'une résilience hors de l'ordinaire, et ça, ça se fête. Que ce soit de trouver des façons ingénieuses de lutter contre la pandémie, d'aider des personnes dans le besoin, de terminer vos études en ligne ou de rester à la maison chaque vendredi soir, vous avez vraiment aidé à protéger votre communauté. Vous incarnez ce qu'il y a de meilleur en nous et vous nous avez montré la vraie nature des Canadiens qu'en période difficile ou devant les défis, on s'occupe les uns des autres et on mène les combats difficiles ensemble. Et grâce à vous, parce que vous nous avez montré l'exemple et vous avez surmonté des difficultés au cours d'une année comme on n'en voit qu'une fois dans une génération, j'ai jamais autant cru en l'avenir de ce pays. En ce moment, on a l'occasion de bâtir un pays meilleur, un pays qui en finit avec la COVID-19, un pays où l'économie fonctionne pour tout le monde et pas seulement pour les plus riches. Un pays qui lutte contre l'injustice et le racisme systémique pour que tout le monde ait une chance égale de réussir. Un pays qui agit pour le climat et pour que notre planète soit plus saine. Et un pays qui crée des occasions, de nouveaux emplois et de la croissance pour les jeunes Canadiennes et les jeunes Canadiens. Mais on ne pourra y arriver que si on le fait tous ensemble. Et pour ce faire, on a besoin de votre voix, de votre énergie et de vos idées. Vous devrez être les leaders d'aujourd'hui et non pas seulement ceux de demain. Je suis convaincu que, encore une fois, vous serez à la hauteur du défi. Mes amis, aujourd'hui, on ne fera pas que penser à l'avenir, on va aussi célébrer le moment présent. Je suis certain que vous avez beaucoup de projets et que vous imaginez déjà le prochain chapitre de votre vie. Mais c'est important de prendre un instant pour ressentir votre fierté. De la fierté pour ce que vous avez accompli afin d'obtenir votre diplôme. Et de la fierté pour chacune de vos réussites personnelles, chacune des leçons que vous avez tirées et chaque obstacle que vous avez surmonté en cours de route. Parce que les expériences que vous avez vécues ces dernières années vous seront bien utiles pour la suite des choses. Je tiens à vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour notre pays au cours de cette dernière année, mais merci aussi pour ce que vous ferez au cours des prochaines années. Je vous souhaite la meilleure des chances et j'ai bien hâte de voir toutes les choses extraordinaires que vous pourrez accomplir dans le prochain chapitre de votre vie. Encore une fois, félicitations à toutes les finissantes et finissants de 2021. Profitez bien de ce moment présent et n'oubliez pas que vous êtes maître de votre avenir. Thank you.
Chères étudiantes, chers étudiants, félicitations, vous avez atteint votre objectif. Et oui, vous avez complété le programme pour lequel vous avez tant travaillé. Je suis extrêmement fière de vous et j'espère que vous l'êtes autant. Vous savez, tous nos programmes sont exigeants et vous demandent de donner le meilleur de vous-même. Votre réussite aujourd'hui en dit long sur votre capacité à surmonter les obstacles. D'ailleurs, vous avez dû faire face à des embûches exceptionnelles. La pandémie nous a forcés à modifier nos façons d'enseigner, sans parler du stress supplémentaire que nous avons toutes et tous vécu dans nos vies personnelles. Vous avez dû vous adapter en plein milieu de votre parcours et vous l'avez fait avec brio. Vous êtes notre fierté et notre raison d'être et nous sommes vraiment très heureux de vous voir réussir malgré ce contexte. Par votre résilience et votre courage, vous faites honneur à votre faculté. Je dois dire que je n'ai aucun doute, votre futur s'annonce radieux. Vous avez acquis les atouts lors de votre passage parmi nous. Certains d'entre vous sont fin prêts à amorcer leur carrière, alors que d'autres préféreront poursuivre leur parcours universitaire. Peu importe, vous avez ce qu'il faut pour réussir vos rêves professionnels. Dans tous les cas, je vous souhaite de jouer un rôle actif et reconnu dans notre société. La pharmacie est un domaine avec un impact direct sur nos concitoyens. Alors, soyez à l'écoute, redonnez, soyez bien intégrés dans votre communauté. Plus que jamais auparavant, les Québécoises et les Québécois ont besoin de vous, et je sais que vous serez à la hauteur. N'oubliez pas qu'à partir de maintenant, votre faculté devient votre alma mater, c'est-à-dire un endroit où il fait bon y revenir pour retrouver celles et ceux avec qui vous avez tissé des liens d'amitié qui, sachez-le, vont perdurer encore bien longtemps. Votre faculté, que ce soit à travers ses professeurs ou son personnel, sera toujours là pour vous. Nos professions évoluent constamment et vous pouvez compter sur nous pour vous soutenir. Alors encore une fois, bravo pour ces belles réalisations et surtout, bonne continuation. Chers collègues, amis, membres de la faculté, mais surtout, chers finissants et finissantes, c'est avec honneur aujourd'hui que je souligne la fin d'une grande et heureuse étape qui, avouons-le, n'aura pas été de tout repos. Je me souviens il y a 4 ans, quand j'ai commencé mon parcours et que j'ai rencontré ma cohorte lors des journées d'accueil. J'étais bien loin de me douter de ce qui m'y attendait. Nous avons travaillé tellement fort dans les dernières années pour en arriver jusqu'ici et on a de quoi être fiers. Fiers du parcours accompli, fiers de nos réalisations, fiers de qui nous sommes. Notre passage à la faculté de pharmacie restera une étape charnière de nos vies. Nous y laissons une partie de notre cœur et une marque indélébile de notre passage. Nous avons tissé des liens durables avec des gens qui resteront des amis, qui resteront une famille. Nous graduons aujourd'hui dans un contexte que nous n'aurions probablement pas imaginé au départ. Nous devions nous réunir lors d'un bal des finissants pour certains, célébrer entre amis pour d'autres ou se rassembler pour festoyer. Mais depuis 1 an maintenant, tout est différent. Cette pandémie restera gravée dans nos mémoires et aura façonné notre nouvelle vision du monde. Bien que déçus de ne pas avoir eu d'événements socioculturels cette année, je garde en tête ces beaux souvenirs de nos 20 fromages, de nos parties, de nos 5 à 7, qui nous ont permis de voir l'université comme n'étant pas uniquement un cadre pédagogique, mais devenant graduellement un milieu de vie. Bien que cette année soit différente, c'est dans cette différence que nous nous démarquons, que nous faisons preuve d'adaptation, de résilience, qui font de nous une génération hors du commun. Depuis mes débuts à l'université, j'ai vu une population étudiante se lever, manifester et dire « c'est assez » devant un monde aux 1001 défauts. Nous avons marché pour le climat, avons supporté le mouvement Black Lives Matter, avons exposé au monde les imperfections de notre système et je suis fier de faire partie de cette génération qui héritera du monde de demain. De par la détermination dont les étudiants de la faculté de pharmacie ont su faire preuve dans les dernières années, je suis optimiste par rapport à notre avenir. Quand je pense à mes années d'université, je ne pense pas à une personne en particulier, ni à un groupe, ni même un cours. Je pense à une communauté étudiante, à des professionnels de la santé, des chercheurs, des scientifiques qui feront progresser le monde. À toutes et à tous, je vous souhaite bon succès pour la poursuite de vos projets. Au grand plaisir de vous avoir côtoyé.